Rebonsoir encore la famille, parce qu'on ne peut pas laisser les propagandistes venir en Guinée, venir faire de la propagande, ça ne marche pas. KF, non, on ne peut pas, vous ne pouvez pas venir quand vous allez saboter le travail des autres. Non. Mon gars, soit tu te retires, tu continues, et là, on va mener cette lutte-là. Mon gars, il faut te respecter un peu. Il faut te respecter. D'ailleurs, vous venez encore de faire honte au CNRD, KF, parce que vous n'êtes rien du tout. Si ce n'est pas en Guinée, que toi, tes propagandistes avec un véhicule administratif, vous êtes qui? Vous êtes un diplomate sénégalais. Vous êtes un diplomate, regardez. Un véhicule, regardez, non mais la Guinée est foutue. Un week-end, avec un véhicule administratif. Véhicule administratif, immatriculé, VA7205A, République de Guinée. Et tu dis que bonjour Conakry, c'est du haut niveau. Ça prouve combien de fois que ceux qui nous dirigent, c'est l'ignorance. Vous êtes qui un week-end? Pourtant, Doumbouya avait interdit ça. Un week-end. Pour que toi-même, tu montes dans un véhicule administratif. L'argent du contribuable guinéen, l'argent, les véhicules d'État là. Hein? Véhicule administratif. Tu es qui, KF? Véhicule administratif. C'est l'argent du contribuable guinéen, ça. Ça dit, vous voyez combien de fois vous êtes bête dans la tête? Vous ne pensez qu'à vos intérêts personnels. Est-ce que vous devez monter dans ça? Vous êtes diplomate sénégalais? Vous êtes diplomate sénégalais? Rien, KF. Vous n'êtes pas diplomate sénégalais. Vous êtes qui? Le week-end, pour que des propagandistes, ils vous prennent pour aller. Et d'ailleurs, vous ne pouvez pas tromper les gens. Hein? Vous n'êtes qu'un réfugié. Un réfugié. KF, le passeport dont vous cachez la couverture, voici. Le passeport français, voici comment le passeport français, à peu près la même chose. Je te dis, tu es activiste, on est activiste. Nous, on ne se mêle pas du problème du Sénégal. Vous avez insulté le président Macky Sall ici. Nous, la vie du Sénégal, le problème, les problèmes internes du Sénégal, ça ne nous regarde pas, mon gars. Vous êtes un ami, hein? Mais quand il s'agit de la Guinée, là, nous, on s'en fout. Il n'y a pas d'amitié là-bas. Quand il s'agit de la Guinée, là on ne fait pas cadeau. KF. Vous êtes passé en Guinée parce que vous n'êtes qu'un réfugié en France. Vous avez le statut de réfugié. C'est pourquoi vous n'êtes pas descendu au Sénégal. Sinon, il n'y a rien contre vous, hein, KF. Il n'y a rien. Et vous cherchez à vous faire plaire. Vous cherchez à vous faire plaire. Voilà. Vous cherchez à vous faire plaire. Vous cherchez à vous faire plaire. Voici l'imbécile là. Il y a des gens qui ne regardent pas Damaro. Va regarder la vidéo que moi je viens de faire. Malgré que le CNRD a mis 15 millions. Toi l'imbécile de Toto là. C'est là que je vois combien de fois vous êtes ignorant. 15 millions de dollars. Ce qui a été mis dans la propagande pour couper l'internet. Pour couper, c'est-à-dire les activistes. Mais je te montre tout de suite là. Moi, je viens de faire deux vidéos. C'est pour te dire que le général 5 étoiles, c'est l'un des hommes les plus suivis en Guinée. Moi, je n'ai même pas besoin. Je vais bien te répondre sur ça. Regarde. La première vidéo que je viens de faire, tu peux voir en bas, 25 000 vues. Regarde, 25 000 vues. C'est écrit 25 000 vues. Ça, c'est le général 5 étoiles.
il n'y a même pas deux heures de cela, la vidéo 25 000 vues. Toi, tu vas dire que, malgré que le CNRD, ils mettent le virus, mais comme moi, je finis là. Je suis dans le cœur des Guinéens et les Guinéens ont confiance au général. Tu disais tout de suite 150. Déjà, c'est à 200. Faut écrire encore 200, imbécile. Je vous ai dit que moi, je suis le médicament des bandits de Conakry. Le général 5 étoiles. Le propagandiste KF n'a que le statut de réfugié. Le statut de réfugié. Il n'a que le statut de réfugié. Il est rentré en Guinée. Attendez, je vais bannir cet imbécile. On va continuer le live. Ok. Il est rentré en Guinée avec un titre de réfugié parce que peut-être le Mali, il a peur de passer par le Mali. Il a peur d'aller en Côte d'Ivoire. Il est descendu en Guinée pour ça. Il n'est pas allé en Guinée parce qu'il aime la Guinée. Il n'est pas allé en Guinée à cause de la beauté de Bambeto. Sinon, qu'est-ce qu'il n'a pas dit ici? Qu'est-ce que lui n'a pas dit ici? Kaï Fofana, ta propagande, elle est personnelle. Parce qu'aujourd'hui, des imbéciles qui ne connaissent rien, qui n'ont aucune notion de la République, prennent un véhicule VA. Voici les preuves. C'est vous-même qui avez posté sur votre page. Des imbéciles de la République, qui n'ont aucune notion de la République, qui utilisent un véhicule administratif, un week-end. Toi, te mettre dans un véhicule administratif. Tu n'es ni un responsable, tu ne représentes rien pour le Sénégal. On te met dans un véhicule administratif et vous-même vous postez pour insulter la République de Guinée. Ce véhicule administratif, en principe, ne devait même soit des gens en service de l'État qui l'utilisent, mais toi, on ne devait même pas mettre ça à votre service pour vous dire combien de fois que c'est des bons à rien qui dirigent la Guinée. Sinon, en principe, vous ne devez pas être dans ce véhicule KF. Au Sénégal, même le président Diomaye Faye a ordonné que tous les passeports diplomatiques soient retirés des mains des anciens dignitaires de Macky Sall. Il y a un problème de connexion, mais ça va, on va le faire avec. Mais on va dire à notre ami que non, ce combat-là, tu ne peux pas gagner devant nous les Guinéens. Ta propagande là, tu es passé en Guinée malgré toi-même. Sinon, le Sénégal, il y a tellement d'aéroports. Macky Sall, tu as insulté Macky Sall ici. Pourtant, l'aéroport que Macky Sall a construit, tu pouvais descendre là-bas en toute pompe. Mais tu es passé en Guinée en tant que réfugié. Tu passes comme réfugié, tu ne dois pas parler. Tu vas te créer des ennuis. Tu vas énerver des Guinéens. Ils vont te signaler devant la préfecture là-bas. Tu vas avoir des problèmes. Parce que ce que tu as dit aux autorités françaises là-bas, tu vas te créer des problèmes. Mon gars, le problème de la Guinée, ça ne te regarde pas. Nous, on ne se mêle pas. On ne s'ingère pas dans les problèmes internes du Sénégal, mon gars. Comment vous insultez la France? Déjà, vous êtes réfugié en France. Vous insultez. Moi, Damaro, quand je vais en Guinée, je descends à Conakry. Je ne vais pas en Côte d'Ivoire. Je ne vais pas en Côte d'Ivoire parce que je vais. Je vais en Côte d'Ivoire pour la beauté de la Côte d'Ivoire. Je vais en Côte d'Ivoire, j'ai des oncles, j'ai des familles. Mais si je dois descendre, moi je descends à l'aéroport international de Conakry. Mais toi tu es passé parce que tu es réfugié. En principe, tu dois te cacher. Tu dois faire tes choses secrètement. Mais tu n'as pas besoin d'aller faire de la propagande. Vous n'aimez pas la Guinée que nous les Guinéens. Vous ne connaissez pas mieux la Guinée que nous, les Guinéens. Les projets dont tu parles, qui a financé ces projets-là? Ça vient du budget de l'État. Il faut les demander, tes propagandistes, ceux qui ont pris le véhicule administratif, te mettre dedans pour faire de la propagande. Parce que
dans leur truc, il y a un panafricaniste. Vous n'êtes pas des panafricains, vous êtes des panafricains. Tu es fier aujourd'hui que tu vas montrer les changeurs de Bambeto. Macky Sall a fait combien de... Le président Macky Sall a fait combien de changeurs? Si tu aimes dire la vérité, quand tu rentres au Sénégal, par la frontière, parce que c'est là-bas que tu vas passer. Si tu rentres au Sénégal, va. Va au Sénégal, tu montes les réalisations. Lorsque tu as quitté le Sénégal, ce que le président Macky Sall a fait, les autoroutes, va montrer. Va montrer les aéroports. Va montrer les bâtiments administratifs. La nouvelle ville que Macky Sall est en train de construire. Si tu es véridique. Je te dis, tu vas te créer des problèmes. Aujourd'hui, le peuple de Guinée, dans sa majorité, ne veut pas de ces bandits-là. Bambeto dont tu parles, là, tu vas te flanquer, mon gars. Eux, là, ils ont applaudi. Ils ont compris que c'est des faux types. Il faut faire attention. Hein. Il faut faire attention, mon gars. Tu peux rien nous dire, rien. Tu n'es rien. Tu es rentré en Guinée comme un réfugié. C'est tout. Tu ne peux même pas descendre dans ton pays. Qu'est-ce que toi, tu vas nous dire? Toi qui ne peux pas prendre l'avion en France pour descendre au Sénégal. Tu descends en Guinée comme réfugié. Ton passeport, tu l'as caché. Tu penses que non? Parce que le titre de séjour, regarde. Où tu t'es trompé? Regarde, ici, là, le voyage est en bas, là-bas. On a bien vu, voyage. Le vrai passeport français, je vais te montrer. J'ai un ami aussi qui m'a envoyé son passeport. Voilà, voici comment le passeport français est. République, Union Européenne, passeport, c'est comme ça. Mais pour toi, c'est le titre de séjour. Voilà. Titre de séjour, tu es un réfugié, mon gars. Tu ne peux pas impressionner quelqu'un, mon gars. Tu ne peux qu'impressionner les petites personnes aujourd'hui qui gèrent la Guinée, qui n'ont aucune notion de la République. C'est pourquoi ils ont pris un véhicule administratif, te mettre dedans, aller te promener, faire de la propagande. Parce que dans leur truc, pour tromper le peuple de Guinée, c'est de dire que, ah non, ils sont des panafricanistes. Et pourtant, vous n'êtes pas des panafricanistes, vous êtes des propagandistes. Vous n'êtes que des propagandistes. Vous n'êtes que des propagandistes. Et il faut changer un peu vos manières de faire. Comment tu peux aller t'asseoir que d'ailleurs qu'ils n'ont qu'à te donner, un passeport guinéen. Alors, tu es qui? Tu as fait quoi pour la Guinée? On va prendre le passeport guinéen comme ça, te donner. Ah non, je ne vais pas quitter en Guinée. Parce qu'on t'a logé à l'hôtel, tu ne payes pas. Parce qu'on a pris un véhicule administratif, te mettre dedans. Mon gars, tu ne dois pas induire les Guinéens ici. Tes mensonges là, hors des frontières. Va en Côte d'Ivoire, tu vas voir. Si c'est question de réalisation là, ou si c'est question de principe, les Guinéens se battent aujourd'hui pour le retour à l'ordre constitutionnel. Pour que ces bandits la quittent, toi tu vas te flanquer, Kono, échangère, Bambeto, c'est rentré.